Yo les gars, aujourd'hui opération nettoyage du moteur. Il est bien crado. Hop, tout ça, on va bien nettoyer là, tout ça. Tout, tout, tout. Hop, hop, hop. Bon, avant de commencer, toujours finir son petit croissant. Un des problèmes quand on filme tout, c'est qu'il faut trouver des bonnes positions pour la caméra. Là, ça fait une demi-heure que j'essaie de fixer cette échelle avec un petit fil de fer. Hop, hop. Jack, la chaise. J'ai foutu la caméra ici. Ok, c'est parti. Donc, je vais commencer par déposer ça. Voilà, les deux pièces, elles sont enlevées. Voilà. On va essayer d'appliquer ça, voir un peu ce que ça donne. Après, j'ai aussi la brosse à dents que je peux utiliser. Allez, ça marche bien. Hop. Voilà, je vais enlever le radiateur pour avoir plus d'espace. J'utilise du 26. Là, il y a un petit bout de fer que je vais enlever. Voilà la cale de la vis. La mauvaise nouvelle, je suis vraiment un débile en voulant caler la caméra là-haut. Je suis tombé, j'ai fait tomber le moteur. Et là, je viens de défoncer le radiateur, putain. Et le reniflard, il a pris tellement cher. Bon allez, du coup on va le démonter malgré que je viens de le défoncer. De caler le renifleur, peut-être qu'il y a une chance. Faut pas qu'il y ait de prise d'air quoi, surtout. Le radiateur il est mort. Là il y a la fuite. Et... sûr il est mort, faut le changer. Putain. Du coup, malgré l'incident, je continue à nettoyer le moteur tranquillou, petit pinceau, petit coup de Allez, je vais déposer le volant pour bien nettoyer derrière. Ça c'est l'embrayage. Bon, avoir fait ça, ça vaudrait peut-être le coup de le changer. Près de 2 heures que je suis sur cet écrou. Un véritable combat. Il vient de venir. J'ai dû taper avec le marteau. Marteau, vis, j'ai tout essayé avec la tenaille. Prendre des gros tuyaux, des gros tubes pour prolonger la tenaille. Tout essayé, rien qui venait. Et là, il vient enfin de venir en y tapant dessus latéralement avec un tournevis et un marteau. La victoire. Ah, je veux savoir celui-là.
J'essaie de refaire la tête. Ça sera pas mal. Et voilà mon petit volant. Voilà, je vais pouvoir nettoyer bien ici. Faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a un moment, c'est la vidange. C'est peut-être un peu con de mettre ça. Combien il y en a masse. Putain, j'ai été surpris quand il y en avait. Il y avait la quantité. Je vais retourner la bête pour la nettoyer en dessous. Voilà, c'est pas trop mal. Et voici un petit avant-après qualitatif. Et voilà le résultat. Plutôt content, franchement. Bien clean. Je finirai de nettoyer toute cette partie. Quand je changerai les joints, ce sera dans un prochain épisode. Voilà, donc on fait un peu en dents de scie parce que bon, je suis assez content du résultat quand même. Ouais, le résultat sur le moteur est bien, mais bon, je l'ai fait tomber. Et donc j'ai niqué reniflard et radiateur d'huile. Voilà, j'ai fait la vidange aussi. J'aurais dû le faire d'entrée, je l'ai fait après. Ça a été une erreur. L'autre erreur aussi que j'ai faite, c'est que j'ai commencé par nettoyer le bas du moteur et après le haut. Du coup, tout l'essence dégueulasse avec le cambouis descendait sur ce que je venais de faire. Il a fallu que je le refasse. Mais bon, sinon, ça va. Bon, on avance. Prochaine étape, grosse étape. Je vais enlever la caisse. Voilà, ciao les gars.